un plan grand froid qui est activé du côté du zoo de Lille. Le zoo de Lille qui est fermé en ce moment puisque c'est la trêve hivernale. Les animaux, eux, sont bien sûr toujours présents. Certains s'amusent d'ailleurs beaucoup. Vous pouvez le voir sur ces images avec la neige, alors que d'autres, eh bien, doivent rester sous abri. C'est le cas pour 4 espèces sur la centaine au total, dont le rhinocéros ou encore les zèbres. En fait, le gel représente un danger. Pour eux, du coup, ils restent à l'intérieur. Je propose d'écouter un représentant du zoo de Lille qui nous parle un petit peu de ce qui change pendant cette période hivernale. Ce qui change, c'est des fois quelques petits problèmes qu'on peut rencontrer, de canalisation qui gèle, des petites choses comme ça. Après, on peut éventuellement aussi travailler en litière accumulée pour certaines espèces. On va juste retirer les déjections et laisser la litière donc s'accumuler pour plus de confort pour l'animal. Après, j'ai envie de dire que comme pour les animaux, c'est un peu moins confortable pour les hommes avec les températures hivernales, quoi. Toutes les équipes de soigneurs qui travaillent à l'extérieur. C'est un petit peu le lot de consolation, je pense, pour nous tous qui sommes là en période de fermeture, c'est de profiter du zoo sous la neige, rien que pour nous, sans les visiteurs.